Ma voisine est chanteuse d'opéra, j'adore ça. Même quand je tourne, c'est pas grave, je lui pardonne. Salut Nina! Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. La lumière, c'est la vie. Oui, je sais, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais la lumière, c'est vrai, ça nous met une bonne humeur, c'est un petit peu ce qui nous rend heureux, hein, parfois pour certaines personnes. En tout cas, moi, c'est le cas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de lumière, et plus précisément de Philips Hue, et ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais j'avais jamais fait de vidéo dédiée à Philips Hue. Alors, ça va être réparé aujourd'hui, puisque je vais vous montrer plein de produits super intéressants, et puis je vais vous expliquer surtout qu'est-ce que c'est que Philips Hue et comment ça marche. Alors, depuis quelques années, il y a eu un grand bouleversement dans la force. Enfin, non, plutôt dans la lumière. Et ce grand bouleversement, ce sont les LED. Et les LED ont permis de créer un nouveau type d'ampoule qui permettent de changer de couleur. Et ça, c'est assez génial. Donc les ampoules peuvent maintenant simuler la lumière du soleil, une lumière douce adaptée à la lecture, ou une lumière romantique parfaite pour une petite soirée sympa avec votre chérie. Alors Philips, ça fait des années qu'ils bossent sur la lumière. Le réveil lumière, c'est eux qui l'ont inventé par exemple. Et avec l'arrivée des LED, ils ont aussi inventé un truc incroyable, Hue. Hue, ce sont des lampes qui ont la capacité d'être contrôlées via une application, et on peut donc changer de couleur. Et qui dit lumière connectée dit aussi intégration avec plein d'outils logiciels et matériels. Par exemple, on peut associer les lampes Philips Hue à tous les assistants vocaux du marché, par exemple Google Home, Amazon Alexa ou Siri de Apple. Ça permet donc de changer de couleur sans avoir besoin de toucher le moindre objet, il suffit juste de leur demander. Mais au-delà de ça, on peut programmer des comportements de ces lumières en se basant sur les heures, les jours ou même la géolocalisation de l'utilisateur dans smartphone. Bon, je sais, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais je vais quand même vous expliquer en vous donnant quelques exemples hyper simples que j'ai mis en place soit chez moi, soit ici au studio et que chacun peut mettre en place dans sa propre maison avec toute la panoplie des produits Philips Hue. Quand on commence avec Hue, il faut partir d'un élément de base, le pont de connexion. C'est lui qui va faire le pont, d'où son nom. Et il va donc faire le pont entre votre réseau local et vos lampes Philips Hue. Un pont peut supporter jusqu'à 50 ampoules. Le pont de connexion, il faut le brancher sur votre box ou votre routeur Wi-Fi. À partir du moment où il sera connecté et grâce à l'application Hue, dispo sur mobile, vous allez pouvoir détecter toutes les ampoules Hue qui sont branchées chez vous. Chaque ampoule est Wi-Fi et peut donc être ajoutée avec une simple détection depuis l'appli. Alors l'avantage de cette connexion Wi-Fi, c'est donc que quand vous branchez une ampoule chez vous, vous allumez l'interrupteur s'il y en a un et elle est détectée automatiquement par l'application. La mise à jour des ampoules est automatique et dès qu'il y en a une de dispo, l'appli le sait et vous propose de mettre à jour toutes les ampoules connectées. Alors un tout petit détail et qui est valable à la fois pour l'installation mais aussi pour l'utilisation de tous les jours, les ampoules Hue connectées peuvent être détectées et contrôlées uniquement si l'interrupteur sur lequel elles sont branchées est activé. Par exemple, si vous remplacez vos anciennes ampoules dans votre maison par des ampoules Hue, il faut de toute façon pour que ça marche que l'ampoule soit connectée évidemment, mais surtout que l'interrupteur soit activé. Et d'ailleurs, quand vous allez remplacer toutes vos anciennes ampoules par des ampoules Hue, eh bien il faut perdre l'habitude d'utiliser l'interrupteur classique mural parce que sinon ça marchera pas. Donc vous le laissez toujours activé et vous les éteignez ou vous les allumez directement depuis l'application ou depuis le contrôle vocal. Quand vous ajoutez une première ampoule, vous allez aussi pouvoir créer une première pièce. Et à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle ampoule, vous devez indiquer dans quelle pièce elle se trouve. Ça vous permet donc de contrôler plusieurs ampoules avec une seule action et vous pouvez le faire soit à la voix, soit depuis l'appli, soit depuis un interrupteur Hue, soit depuis un détecteur de mouvement. Et donc si je dis allumer le salon, eh bien toutes les ampoules qui sont dans le salon vont s'allumer en même temps. Tiens, un petit détail intéressant, si vous utilisez des ampoules Hue dans plusieurs endroits, par exemple moi ici au studio mais aussi dans mon appart, eh bien j'ai deux ponts de connexion, un à chaque endroit, et vous pouvez installer les deux ponts de connexion dans la même application. En revanche, il ne faudra pas oublier de changer de pont de connexion à l'intérieur de l'appli pour retrouver toutes les lampes et tous les scénarios et les pièces associées suivant l'endroit où vous vous trouvez évidemment. Alors parlons maintenant des deux types d'ampoules que l'on peut trouver chez Hue, les Hue White Ambiance et les Hue Couleur. Pour les lampes Hue White Ambiance, vous pouvez leur donner toutes les nuances de blanc que vous voulez. Et pour une lampe Hue Color, vous avez deviné, vous pouvez la faire éclairer de n'importe quelle couleur possible, les nuances sont quasi infinies. Alors ici au studio, je n'ai pas d'assistant vocal, mais pour mon décor que vous voyez derrière moi, eh bien j'utilise l'application pour à chaque fois lancer le scénario The Grand Test. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis de nombreux mois, on voit les mêmes couleurs qui sont tout le temps éclairées derrière moi. Donc ici, on a une Hue Play qui est affichée en bleu, et puis derrière moi, il y a des Hue Go qui sont affichés en rouge et en vert, tout simplement parce que ce sont les trois couleurs de The Grand Test. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez remarqué ça. Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et alors, pour donner une couleur unique à chacune de ces lampes, eh bien, j'utilise l'application dans laquelle je vais donc créer la pièce qui s'appelle Décor. Et dans Décor, je vais associer ces trois lampes et à chaque lampe, je vais donner une couleur différente. Et quand j'ai fait ça, eh bien, je vais enregistrer ce scénario qui va donc s'appeler The Grand Test. Et à chaque fois que je veux allumer ces lumières avec ces couleurs précises, eh bien, je lance le scénario The Grand Test. C'est aussi simple que ça. Alors, à la maison, en revanche, j'ai un bureau où je passe pas mal de temps à travailler. Il m'arrive aussi de jouer sur la console de regarder des films. Et dans mon bureau, j'ai un HomePod. Là, j'utilise Siri pour contrôler mes lumières. Alors, je peux lui dire, dis Siri, monte la lumière du bureau au maximum.
dit Siri, mets la lumière du bureau en bleu. Et immédiatement, la lumière est modifiée comme je le souhaite. Alors dans ma chambre, c'est un petit peu différent, je n'ai pas d'assistant vocal et je n'ai pas envie de prendre mon téléphone et puis de changer la couleur avec l'application. En revanche, j'utilise un détecteur de mouvement et ça marche super bien. Alors le détecteur de mouvement est programmé pour que dès que je me lève, pour aller aux toilettes par exemple ou pour aller boire un verre d'eau, eh bien je veux que la lumière du chevet s'allume, mais pas violemment, hein, vraiment hyper doucement pour pas m'exploser les yeux. Lorsqu'il détecte un mouvement, hein, que ce soit moi ou ma chérie, eh bien le détecteur de mouvement, il allume la lumière de manière hyper douce pour qu'on puisse voir où on met les pieds et ne pas se prendre les pieds dans les pieds du lit, ça c'est super désagréable. Mais attention, il y a encore un truc encore plus incroyable, et ça je vous en ai déjà parlé quand j'avais fait le test de la Philips 55 POS 9002, c'est Ambilight avec Hue, et ça c'est assez révolutionnaire, et ça marche uniquement hein, si vous avez une télé Ambilight et des Philips Hue. Et si vous avez les deux, je vous assure qu'il faut absolument que vous testiez ça. Donc ma super télé Philips dont je vous ai déjà parlé, je vous mets un lien ici pour aller voir le test si vous ne l'avez pas encore vu, ça parle de télé, mais ça parle aussi de Ambilight et de Hue, et bien c'est une télé qui est équipée de lumières LED qui sont à l'arrière de la télé, et donc qui réagissent avec ce qui se passe sur l'écran. Et la force de Philips, donc, c'est pouvoir mêler à la fois l'écosystème Ambilight et l'écosystème Hue sur sa télé. Ça veut donc dire que Ambilight, ce sont des ampoules qui sont intégrées à la télé et donc qui réagissent par rapport à ce qui est affiché sur l'image. Ça donne une ambiance de lumière très très agréable. Et ce qui est magique, c'est donc qu'on peut associer des ampoules Hue avec une télé Ambilight. Et donc ça va vous permettre de manière totalement automatique, et du moins de la manière dont vous l'aurez configuré sur votre télé, de pouvoir afficher des couleurs sur vos lampes Hue qui seront en relation avec ce qui est affiché sur l'image de la télé. Et je vous assure que ce genre de truc, hein, Ambilight plus Hue, une fois qu'on l'a testé, on a vraiment vraiment du mal à revenir en arrière. Alors il y a aussi un autre truc que vous pouvez faire et qui est super intéressant, bon moi personnellement je ne l'ai pas fait, c'est utiliser Hue pour la sécurité. Par exemple, vous avez la possibilité de simuler votre présence même quand vous n'êtes pas chez vous. Donc si quelqu'un épie votre maison pour se dire qu'il va venir vous cambrioler, eh bien la lumière va s'allumer à chaque fois de manière un petit peu aléatoire apparemment, sauf qu'en fait c'est vous qui l'aurez programmé. Je sais que vous êtes en train de penser à ce pauvre petit Kevin qui a passé Noël tout seul et qui a essayé de faire la même chose. Si si, je suis sûr que vous pensez à lui. Tiens, tout à l'heure je vous parlais du réveil lumière. C'est une vieille invention qui date de avant l'époque de Hue, mais qui avait été inventée par Philips. Eh bien avec Hue, on peut aussi générer un réveil lumière. Le réveil lumière, c'est simple, hein. Si vous vous levez à 6h, vous pouvez définir que Hue va s'allumer à partir de 5h30, mais avec une lumière qui sera de plus en plus progressive, et ça vous permettra donc de vous réveiller de manière tout à fait agréable. Je vous assure que moi je fais ça tous les jours, et je suis de très très bonne humeur tous les matins. Avant Philips Hue, c'était pas aussi bien. Et puis encore un truc qui vous permet d'aller encore plus loin, mais attention, là ça va vraiment très très loin, c'est que vous pouvez utiliser Hue avec l'application IFTTT. IFTTT, c'est une application qui permet de connecter des objets et des applications entre eux pour créer des scénarios totalement incroyables. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais je vous assure que ça marche. Vous pouvez par exemple définir qu'une lumière va s'allumer si le PSG marque un but pendant un match. Je sais, c'est ridicule, mais je vous assure que ça marche. Bon, j'ai testé le scénario, mais bon, j'ai l'impression que ça marche pas parce qu'elle ne s'allume jamais. Et puis enfin, dernière innovation de Philips Hue, et ça vous allez voir que c'est génial, on peut désormais synchroniser des lampes Hue avec son ordinateur Mac ou PC, donc quasiment transformer l'écran de son ordinateur en télé Ambilight. Il suffit d'y installer l'application Hue-Sync et vous pourrez définir que des lampes que vous aurez associées à votre espace de loisirs depuis l'application mobile seront synchronisées avec le contenu affiché sur l'ordi. Bon alors évidemment, comme tous les trucs qui marchent, les Philips Hue ont été copiés par plein de marques, hein, comme par exemple ici Arcos ou Xiaomi, mais la force de Philips Hue, c'est de développer un écosystème qui est hyper riche et de toujours sortir des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités super intéressantes. Une fois que Philips a compris que les gens adoraient Hue, ils ont donc développé des ampoules avec des formes différentes. Après les ampoules classiques à vis ou à baïonnette, il y a maintenant des bandeaux de lumière LED que l'on peut coller derrière un meuble, un bureau, dans sa cuisine ou sous un canapé, ça donne une ambiance de lumière assez incroyable. Dans les dernières nouveautés qui sont sorties, il y a aussi les Hue Play, ce sont des lampes en format allongé que vous pouvez mettre où vous voulez, c'est super joli. Donc soit vous les dirigez vers vous, comme je le fais ici au studio, soit vous pouvez les diriger face à un mur blanc et là vous allez pouvoir créer des ambiances totalement différentes suivant les envies que vous avez. Il y a aussi les Hue Go qui ont la particularité d'avoir une batterie intégrée et qui marchent donc sans fil. Et enfin, il y a même des modèles de Hue qui sont destinés à être installés dehors, donc qui sont étanches, soit des bandeaux de lumière, soit des ampoules installées dans des luminaires à l'extérieur. Pour moi donc, Philips Hue, c'est l'écosystème le plus complet et le plus simple à utiliser et surtout le plus agréable quand on a plusieurs lampes dans plein de pièces. On s'y retrouve et on peut le contrôler de manière différente à la voix, avec des applications ou même avec les interrupteurs Hue qui peuvent donc remplacer vos anciens interrupteurs. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous acheter tout ce genre de produits Hue. Et je vais aussi vous rappeler un truc, c'est que vous pouvez acheter ou tester des Hue via Demuse. Demuse, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui veulent tester des produits avec des gens qui ont ces produits et qui peuvent les faire tester. Mais Demuse a aussi lancé Demuse Explorer. C'est un programme qui permet d'acheter
d'acheter des produits et ensuite d'en parler à votre communauté ou à vos amis, votre famille. Et si vous arrivez à décider ces gens d'acheter ces produits, eh bien ça fait baisser le prix du produit que vous avez acheté. C'est assez malin. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller par exemple vous acheter des Philips Hue White Ambiance. Je suis Demouze Explorer, donc ça me permet moi d'avoir un prix d'achat réduit si vous l'achetez. Alors c'est pas obligé, hein. Moi je les ai déjà, donc je pense pas que je vais en racheter d'autres parce que j'ai quand même beaucoup de lumière chez moi, beaucoup de lampes et toutes mes pièces sont hyper bien éclairées. En revanche, vous, si ça vous intéresse, bien surtout allez voir le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez devenir Demouze Explorer, franchement lâchez-vous. Moi par exemple, ça m'a permis d'acheter la Sonos Beam, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Demouze Explorer justement, à un prix beaucoup plus bas que le prix auquel elle était vendue dans le commerce. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est pas tout, parce qu'à chaque fois que j'ai des marques qui m'envoient des produits comme ça, j'essaye aussi de vous en faire profiter. Alors vous savez pas quoi, on va prendre ça. Ça, c'est un pack de démarrage. Donc dans le pack de démarrage, on a 3 ampoules et un pont de connexion. Et je crois même que dans celle-là, il y a aussi un interrupteur. Donc ce pack de démarrage, eh bien, je vais vous faire gagner. Alors, il coûte un petit peu cher, hein. Je crois que c'est dans les 200€. Le truc est très très complet, mais c'est vachement bien pour commencer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le pont de connexion, c'est quand même l'élément principal à avoir pour commencer son setup. Après, une fois que vous avez le pont de connexion, vous pouvez acheter des lampes toutes seules, hein, sans avoir besoin de racheter un pack de démarrage. Donc ça, c'est le pack que je vais vous proposer de gagner aujourd'hui. Pour le gagner, bah, ça va être comme d'habitude sur mon compte Twitter. En revanche, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire que vous avez bien vu cette vidéo et puis me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sur Twitter, je vous demanderai de me dire qu'est-ce que vous feriez comme setup intéressant avec un pack Philips Hue si vous le gagnez. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.